Après la signature du contrat, Noémie est devenue officiellement apprentie coiffeuse. La signature du contrat m'a vraiment très motivée et je suis encore plus en confiance puisque j'allais avancer. Première leçon, l'accueil de la cliente dans le salon de coiffure. Ici, il faut veiller à ce que le courant passe entre la coiffeuse et sa cliente. C'est pas toujours comment s'y prendre pour parler avec et on n'ose pas parler, mais il faut une bonne compréhension aussi entre la cliente et la coiffeuse pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Très rapidement, Estelle expliquera à Noémie comment réaliser un shampoing. C'est tout d'abord sur des têtes postiches que Noémie apprend les mouvements et ensuite sur une membre de l'équipe. Un bon shampoing, c'est un shampoing qui est assez dynamique où on passe essentiellement sur l'ensemble de la tête sans oublier les bannières. Et surtout pour la cliente, ça doit être un sentiment de bien-être. Noémie commence à laver les cheveux des clientes. Et comme pour tout apprenti, les premiers shampoings sont source de stress. Elles ont peur évidemment de faire couler de l'eau sur le visage, donc c'est là où elles tremblent un peu. Les cheveux des clients sont tous différents. Pour Noémie, la prochaine étape sera alors le diagnostic du cheveu. On peut être aussi sensible, avoir des démangeaisons, avoir le cuir chevelu gras. Il faut utiliser le shampoing adéquat pour y remédier. Noémie a désormais sa place dans le salon de coiffure. C'est elle qui réalise la plupart des shampoings. Je les avance dans leur travail et moi j'avance aussi dans mon évolution. Je me sens vraiment plus utile. Prochaine étape pour Noémie, la coloration.